Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Prey sur PC. La dernière fois on s'est arrêté après avoir fait le jeu, fait quelques petites choses en plus entre temps, et on va donc tout de suite continuer en allant dans le stockage. Alex, complexe d'Oedipe, prétentieux, népotiste. C'est parti. Découvrir une nouvelle zone, encore une fois. Zone du stockage. Interaction de niveau direction. Désolé Morgan, mais je dois t'enfermer cette fois-ci. Quand j'ai jeté ta clé d'armement, c'était pour t'empêcher de commettre une grave erreur. Il est trop tard pour se voiler la face. On est impliqué à présent. Tu seras en sécurité dans le stockage. On se retrouvera dans mon bureau quand tout sera prêt. J'espère que tu me fais confiance. Je suis de ton côté. Tu n'es plus toi-même. Ok. Je ne fais pas confiance, mon cher Alex. Si je voulais, j'aurais pu déjà finir le jeu avec à la fin. Tu sais, échapper du pote, mais non, on va pas le faire tout de suite. Va charger plus beaucoup de munitions. D'accord. Opérateur à l'approche. On a pas besoin de se soigner, donc on ne se soigne pas. Bonjour. Faut que je me réponde, non. Pas besoin de reprendre non plus. Ce qui est fait parce que j'ai lu beaucoup de livres, c'est ça?
écouter. Bon. Des bananes. Pas aller par là-bas. C'est bien réparé. Oui, c'est réparé. Encore les là, on peut encore pas tout ça. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, normalement les portes peuvent être ouvertes. On va hacker ça. J'ouvre le coffre. Voilà. Coffre ouvert. On doit peut-être se soigner. Ça. Non mais arrête de te cacher mais... Je t'ai vu, je te retire plus après. Bon pain... Je l'ai vu, plus intéressant. Prendre pour la recycler aussi. Donc ça, je sais que les chats que j'ai ne serviront à rien. Ah, c'est possible. Coffre niveau 4, très bien. Thank you.
Pardon pour le bruit du micro. On ne sait pas trop. On va faire un peu de mission chacun. On fait 3. Encore 1. On fait des missions de cartouches de fusil à pompe. Et on en fait 2. Je pas d'aide. Qu'est-ce que c'est que la borne? Le coude, est-ce que je l'ai au moins su? Ah bah non. Je le trouve. D'accord, 1-1. À l'extérieur de Talos. Et alors
Suivant, celle-ci. J'en ai plus ou j'en ai encore un. J'en ai plus là. Non mais vraiment, à chaque fois si ça fait ça. Stockage, c'est bon. J'ai déjà gardé si elle arrête d'être en stockage. Alexio est dans le stockage, il me suit, j'ai l'impression. Non, c'est parce que j'ai son bracelet, je suis bête. Hein. Parce que j'ai son bracelet. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir tout. Hein. Dès qu'il n'y a rien. Ah oui, il faut que je l'ouvre, c'est vrai. Ça lag, ça lag, je comprends pas. C'est d'un chiant au jeu. Pas profiter du jeu comme ça. Aucun disque détecté, d'accord. Ah l'enfleur, j'ai pas vu. Il est où? Il est où?
Ah là là, je suis perdu. Y'a un sol ou pas? Ouais, y'a un sol. Y'a rien. Bon. Y'a ça. Joseph. Non. Bonjour mon deck. Gravité normale détectée. J'ai combien de minutes de... Pardon, j'ai combien... C'est déjà été un peu tranquille au niveau de la puissance de feu. Ah, mon ma clé d'armement. Ensuite, votre cul se retrouvera dans l'espace, comme le mien. Et si vous parvenez à retourner à l'intérieur, faites-moi plaisir. Tuez le fils de pute qui a fait du mal à Abby. Sinon, je vous jure que je reviendrai vous hanter. Département nord. Allez, j'essaie de regarder.
Ok. Peut-être lancer un craft. Abigail, j'enregistre cette fois. Toi aussi, Emma? C'est bon, Daniel nous rejoint. Elle nous couvrira en cas de pépin. Elle a accepté? On a négocié. J'ai dû accepter certaines choses, moi aussi. Et là, je peux pas encore y aller. Faudra que je refasse le tour à chaque fois encore. Celle-là est déjà passée, voilà. Et... On appuie. Microgravité détectée. Ils te prennent pour quelque chose d'autre. C'était nos enfants. Je sais qu'il faut franchir des nouvelles lignées cellulaires. Elle les combat comme le ferait un antivirus. Alors, attendez un petit instant, je reviens tout de suite. Me revoici, excusez-moi pour cela. Ça, c'est le modèle de QSU d'Alex, oui. On peut sortir? Non, pas par là, par là-bas. Oui. Ah oui. Non, même pas. C'est quoi alors? Ah oui. Sur Talos, mais il y a une ouverture dans la zone de fret que vous pourriez utiliser. Je pense que vous pourriez retourner dans la station à partir de là. D'accord, alors attendez. Piquette. Grand Lockwood, il est où? Je suis censé le voir normalement. Alors attendez, je vais le chercher. Alors voici, je viens de le trouver. Je sais pas. Nous nous reverrons bientôt. Le puce. Ok, on va pouvoir retourner dans une patte, il est très très bien. Cadavre. En premier lieu, on va déjà prendre ça. Et on va aller dans la zone suivante, la zone de fret. Tout le reste est verrouillé actuellement.
Non, cadavre. Ici le docteur Taiyo Igwe. Ceci est un appel à tous les contacts à proximité. Je vous en prie, qui que vous soyez, écoutez-moi. Je n'ai plus d'oxygène. Je n'ai pas de combinaison. Un accident dans la zone de fret m'a contraint à m'enfermer dans ce conteneur. Mais je n'ai aucun moyen de m'amarrer de nouveau à la station. Où la quête? Où la quête? Où la quête? Allez, où la quête? Arrêter de l'alquer aussi, ce serait bien. Et bien, ça stoppe. C'est quoi la quête? Non, il faut pas que je l'ouvre, faut pas que je l'ouvre. Morgan, nous avons verrouillé la zone de fret. Nous sommes en sécurité. Pour l'instant, ça va être difficile d'entrer. Il y a plus de sas. Allez, l'explosion là. Putain, je vais péter un cap. Peut-être FPS, là. Faire quelque chose avec les conteneurs. Je vais péter un cap. D'accord, je prends. On regarde le numéro du conteneur de Dr. Kwe. 2, 3, 1, 2. Vous voyez là le FPS qui descend pour rien. Ça c'est on sait quand c'est un jeu mal fait. Enfin, je pensais que cette caisse serait ma dernière demeure. Même l'air vicié de Talos, ce mélange de nicotine et d'antibactérien, a comme une odeur de printemps. Je vous remercie, Dr. Yu. Mais je pensais... Eh bien, vous avez quitté votre roue de laboratoire mémoriel à ce que je vois. J'espère que vous venez me chercher. J'apprécierais de voir un visage familier. Je vous transmets le code de la caisse dans laquelle je me trouvais. Bon. Thank you.
J'ai pas d'autres quêtes. Docteur Yu, Morgan, là-haut, c'est l'officier cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. Ok. Voilà, ça c'est bon. Je vais désactiver le suivi de la quête de Semper. Parce que là, c'est... si j'y vais dedans, c'est la fin du jeu. Il n'y aura pas tout de suite. Quoi. Cela, on ne peut pas encore passer là-bas. Encore allumé, encore allumé. Il n'y a rien qui est allumé, du coup on ne peut rien faire. Rappelez-moi de jamais vous mettre en colère. Vous les avez tous tués. Laissez-moi vous ouvrir, madame. Je sais pas si ces pistolets PPN vont faire le poids, mais on n'a pas le choix. Ok. Chalumeau, mais je n'ai pas encore de chalumeau, moi. Le capitaine et Lazare va vouloir vous parler. Nous n'avons appris qu'il y a peu de temps que vous étiez encore à bord de la station. Elle va bien. Il faut qu'on sauve le plus de monde possible. Je surveille la porte principale. Le docteur Igwe a de la chance. Vous l'avez secouru pile au bon moment.
Merci d'avoir sauvé l'officier Chaudhary, Docteur Yu. Elle nous a parlé des... télépathes. Je t'en prie, je t'en prie. Alors attendez, c'était quoi? C'était le max, c'est ça que je voulais mettre, ouais. L'étourdissant, d'accord. Blast done. Il paraît que le docteur Egwe flottait dans une caisse à l'extérieur du vaisseau. Je suis content que vous ayez pu sauver Annie. S'il y était resté, il aurait peut-être pu survivre plus longtemps que nous. Méchant toi aussi. Monte. Merci d'avoir ramené Chaudhary parmi nous. Elle est encore traumatisée. Elle dit que les choses étaient dans son esprit. Je t'en prie. Le capitaine et Lazare est là-bas. Moi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je crois que je vais vomir. Il a créé un autre de ces monstres, comme s'il l'avait extirpé du cadavre d'Enoch. Ah, cadavre, peut-être. Va savoir, ça l'a peut-être sauvé. C'est peut-être toujours Enoch. Non, on dirait pas. Ça, ah oui, Sam, il a pas dit ça. Promets-moi de me tuer si jamais je finis comme ça. Sarah va nous tirer de là. Elle l'a toujours fait. Sans vous, je serai toujours en leur pouvoir. Pour l'instant. Merci. Je vais vérifier les gens. Quand j'étais sous l'emprise de ces choses, j'avais l'impression de me regarder. Mais ma voix. Ma voix était comme étouffée. Je voulais crier, mais j'y arrivais pas. D'autres peut-être fait. J'avais l'impression de me noyer. Moi-même. J'ai appris que certains autres officiers. Tig, Raymer. Ils s'en sont pas sortis. Oui, bah ça, je peux pas sauver tout. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Et Katerina? Morgane? Toujours? Je me disais. Je sais plus. Je suis contente de vous voir. Transtar a lancé une opération de sauvetage? J'étais dans la salle de stockage du carburant quand le feu a pris, et que tout le monde s'est mis à courir. Mais il fuyait pas les flammes, il fuyait ses formes. J'avais contenu le feu, et je tentais d'atteindre le générateur quand Al... L'officier Rose est venu me chercher. Heureusement pour moi. Faut que le courant se remette, sinon je suis bien dans la merde pour faire les crafts. Ils sont morts, n'est-ce pas? Je me demande si c'est l'une des créatures qui a causé l'explosion au stockage du carburant. Elles sont intelligentes? Elles ont planifié tout ça? J'ai entendu dire que les modules d'évacuation ne fonctionnaient pas. Bon sang, regardez ces trucs gigotés, ça me file la gerbe. Normal, très bien. Ça en fait 12.
secouer. Je pensais bien. Alors vous avez décidé de venir jusqu'ici dans le seul but de retourner sur Talos? Le seul moyen. Ouais. Je sais pas si Wiggy, enfin le docteur Igwe, a de la chance d'être ici ou non. Déjà j'aurais peut-être été plus en sécurité dans sa caisse. Ça veut dire que tout ce qui nous manque est un fabricateur en état de marche. Mais il y a eu un accident. Alors, attendez, je reviens, j'ai des lives sur le niveau de l'enregistrement. Je sais pourquoi. Voici, alors il y a de stockage du carburant. Alors on n'a plus de jus. Il faut remettre le courant. Je ne vous enverrai pas là-bas de force. L'explosion dans la salle de stockage du carburant a failli tuer Ekaterina. Je ne peux demander à quiconque d'y aller. Pas même vous. Écoutez, étudiez les environs. Peut-être que vous verrez quelque chose qui nous a échappé. Vous avez fait preuve de ressources insoupçonnées jusqu'à maintenant. Écoutez, je ne sais pas quels sont vos plans, Morgane, mais n'oubliez pas, la seule chose qui compte est la manière dont vous traitez ceux qui sont encore en vie. Docteur Yu, j'aimerais de nouveau vous remercier pour le sauvetage. Vous vous souvenez de moi ? Je suis le docteur Igwe, Dayo Igwe. Votre frère Alex m'a fait venir sur la station pour mener la recherche sur les neuromodes. J'en ai bien un, mais dépourvu de schéma d'aptitude. Et je le gardais au cas où, mais c'est sans doute le moment. Tenez, vous en ferez sûrement meilleur usage. Je suis ingénieur en neuromodes. Mais si je peux vous aider de quelque manière... N'oubliez pas, on a besoin des plans de fabrication de tourelles éradicatrices, pas pour un synthécube. Je sais même pas ce que c'est, d'ailleurs. J'entends un drôle de bruit, je sais pas si c'est ma tour. Non, c'est... La microgravité affecte mon équilibre. Je dois retrouver l'équilibre après avoir subi le lent roulis de la caisse. Je la sentais tourner, vous savez. C'est mon estomac qui me le disait. Ces pistolets Transtar PPN-8 sont juste là pour faire beau. Ils font pas grand-chose face à ce qui nous attaque. Mais avec les tourelles éradicatrices, on a une chance. D'où sortent ces trucs ? On va aller par là. Semble fonctionner et le fabricateur marche. Vous avez réussi. Bien sûr, j'ai réussi. Oui. On n'en a pas encore fini, alors faites attention en revenant ici, d'accord? C'est bon, on va se refaire un peu de munitions de pistolet. On va partir ça là-bas. On doit bien pouvoir reconnecter quelques tourelles. Mais non, attendez, il y a... C'est bizarre ça. Thank you.
pense que je vais faire ça, puis je vais faire une dernière ellipse, histoire de lancer le jeu, parce que là, il y a un souci hein, actuellement de encodage, je vois pas pourquoi. Ouais, il y a un gros souci d'encodage. Franchement, ce jeu, il va commencer à me... C'est le seul jeu que j'ai de problème d'enregistrement depuis que j'ai ma carte. C'est parti. En avant la musique. Alors, donc, je reviens, je fais une petite ellipse. Voici, désolé, tiens, on va y aller. 5... Officier Maddox, prête. Est-ce qu'il y a un paramètre supérieur à tout à fond pour les tourelles? J'ai hâte que nos petits amis y goûtent. Voilà le code de la zone de fret B. Munitions, check. Respiration, check. Trouillomètre, check. Il y a un truc en double, faites en sorte de savoir sur quelle cible tirer. Il continue à l'arrivée. Faudra jeter un coup d'œil à Igwe. Il a agité certains organismes en venant ici. Rien. Ça va être un peu mieux, ça peut tenir. Est-ce que mes graphismes sont par quoi? Non. Pourquoi est-ce qu'on sera lagué maintenant après tout mon proc? Tous partis, ok. Une petite pièce, ok. Okay.
on ira juste après, hein, là-bas. Hop. Non. Regardons les quêtes. Hein. Ok. Encore ici ou... On a réussi. Maintenant, on peut peut-être reprendre le reste de Talos. Nous avons sécurisé la zone. Nous pouvons tenir indéfiniment. Si vous envoyez d'autres survivants ici, nous les protégerons. D'accord. Est-ce que Tamiko va bien ? Tamiko ? Je devais juste peut-être avoir un problème de codage dans la zone tout à l'heure, la zone de prête, ça. Je me rappelle que là-bas il y a une zone que j'avais pas pu voir entièrement, je crois. J'ai combien de neuromodes ? Les 5. J'ai plus la fertilité maintenant. Ça leur apprendra. Tour de la zone quand même.
peux refermer. D'accord. Je suis full en plus, très bien. Je sais pas du tout à combien de temps de vidéo on est avec toutes les coupures que j'ai fait, désolé pour ça, mais... C'est pas grave, si c'est une très longue vidéo, comme je vous ai dit, ce n'est pas bien grave. Ah là là, un enfant qui pleure, encore un. Ah là là, ce quartier n'est pas fameux, hein. Pas à propos de ça, hein, pour toutes les choses qui se passent. Sûr qu'il n'est pas fameux. Ça sert déjà s'il y a rien. Je comprends pas. Gravité normale détectée. J'ai 7 modificateurs, ah ouais, d'accord. D'accord. On va là-bas. C'est quelle zone ? Support de vie, d'accord. Okay. Je ne suis pas sûr que vous ayez reçu votre transcribe. Morgane se dirige vers vous. Vous et tous ceux qui sont avec vous êtes prévenus. Ne la battez pas par accident, ni volontairement. Morgane ? Je pensais qu'elle était sur Terre. Morgane ? Ici Michaela. Je n'ai pas pensé à vérifier ton transcribe. Je ne sais pas comment tu as pu arriver là. Je pensais que tu n'étais plus là parce que... Non, rien. Les sas et ascenseurs sont bloqués, tout comme mes poumons. Ma paraplexie. Je commence même à voir des taches. Tu avais raison. Même si je parvenais à mettre la main sur les injections dans mon bureau. Cependant, je pense que je peux nous sortir de là en utilisant le réacteur principal pour lever le verrouillage. Je sais que ça a l'air dingue, mais je peux te guider dans la procédure. Je le ferai bien moi-même, mais... Bon, contente-toi d'y aller, d'accord ? Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était Osdell pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Bisous les jeux vidéo.